Bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 13 d'Alien, évidemment, Isolation. Et on en était à ici. Je devais récupérer des petits trucs à gauche, à droite. Donc chose qu'on va faire de ce pas, évidemment. Verrouiller la grappe de serveur. Donc je crois que c'était derrière, il me semble, hein, si je ne m'abuse. Et je pense pas que je ne m'abuse. Je suis mort. Terrible ça. Ok. Oh. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Elle est où la sortie, wesh? Ricardo, est-ce que t'as du nouveau? Il me faut plus de temps. Mais j'ai pas plus de temps. C'est là-haut la sortie? Ok. Ça y est, c'est bon. Ripley, sors de là maintenant. Wesh. Bon, je suis censé savoir. On va save au calme. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, parce que ça, j'ai pas envie de le recommencer 20 fois. Hein. Pardon, c'est encore là-haut la sortie? Désolé, cousine. Putain, ça c'est pas très gentil. Ah, tu es mort? Je suis mort.
Ouais, moi je l'ai cramé direct, hein. Je l'ai cramé direct, hein. Aïe, 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 aïe. Terrible, terrible ce qui vient de se passer. Ok. Attends, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? J'ai pas pris la bonne... Ok. Ok, ils sont deux de l'autre côté. Ricardo, comment t'as réussi à l'ouvrir? J'ai dû éliminer l'alerte. C'était la seule façon de la faire sortir. Tu l'as laissé s'échapper. On l'avait renfermé et tu l'as laissé s'échapper. Ripley, il vous suit toujours. Par où je vais? Prenez l'ascenseur jusqu'au labo Gemini. Et s'il vous suit, on pourra toujours le coincer là-bas. Ripley, Ricardo, quoi qu'il arrive cette fois, on peut pas le laisser s'échapper. Ouais, 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 ouais. Ils me disent de descendre, mais ça va, je peux passer par là-haut, je crois. L'ascenseur Gemini. J'entends un ascenseur. Quelle est cette douce technologie à mes oreilles? Je déteste cet endroit. Je n'ai jamais dû quitter le groupe. C'est vraiment n'importe quoi. Gratuit. Entièrement gratuit, ça. Voilà, il en fait ce qu'il veut, le man. Hein. Il l'emmène où il veut, c'est Bibi qui régale. Hein. Je suis à Gemini, Waits. Il faut qu'on remette le courant dans tout le bâtiment. Vous allez devoir utiliser le mont de charge. Mais je n'ai pas vu marcher depuis que Sixon a arrêté de financer les recherches de Gemini. Ok. Ça se rapproche. Ok. Oh, la petite save. Il y a des sons qui manquent, genre quoi? Ok. C'est une sœur? T'es une sœur? Ça va, ne regarde pas comme ça, cousine. On va crever ici. T'es au courant, non? Si j'attire l'alien là, elle se fait démonter ou pas? Vous savez que j'ai fort envie là. Hein. Qu'ils ont laissé pour le gardien des synthétiques. Il est dans une remise devant. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Bah, pas. Facile de dire de ne faites pas de bruit quand. Assez bavardé maintenant.
Je suis mort. J'ai utilisé, hein. Terrible. Que se passe-t-il? C'est terrible. Ok. Bon, j'avoue que j'avais pas fait gaffe à la caméra, pourtant il l'avait dit, hein, mais... Ouais, en fait, c'est pas qu'il one-shot de nouveau. C'est qu'en fait, quand le script part, c'est inarrêtable. Donc, il fallait le lance-flamme plus tôt, en fait. Faut le lance-flamme. Dès qu'il te crame, tu le lance-flamme, tu vois. Mais je crois que je l'ai pas fait tout à l'heure, il y a. C'est là. C'est là où il dit qu'il y a toute la sécurité en parallèle de Sébastopol. Personne n'a jamais ça risque de swinguer. Donc la sécurité est toujours en ligne. Ok, assez bavardé maintenant. Ah. Non, c'est une blague. Je dois aller là. Oh. Une petite mise à jour, je reconnais ça. En métallerie soudage, c'est très très fréquent. Ok. J'ai essayé de run.
terrible. Envoi du rapport. Le robot, il s'en bat les couilles. Hein. Le robot, il est en mode, non, it's okay, les gars. Petite faille spatio-temporelle par ici. On peut marcher, là. Faut pas abuser. Je pense. Ça commence à en faire des morts, là. Le contrôle qu'ils ont laissé pour le gardien des synthétiques. Il est dans une remise de vent. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Ouais, il y a le robot, il passe au calme. J'avoue que les aliens, ça me donne envie de voir le film parce que les aliens sont suffisamment intelligents pour faire le tri entre... Putain, c'est terrible, ça, oh. Sixon a essayé pendant des années de vendre toute la panoplie en parallèle de Sébastopol. Personne n'a jamais mordu à l'hameçon, donc la sécurité est toujours en ligne. Ok, assez bavardé maintenant. Ça, souvenez-vous, hein, j'avais un molotov dans les mains, l'alien il m'a vu à 4 km. Il a tapé une barre, hein, il a fait la tabuse. À connaître les raccourcis, c'est vrai. Hein. Ok. Allez, je me tais parce qu'il faut tellement. Tellement écouter les bruits que. Ok. Que le mec a pop ici, hein. Petit bâtard. Connexion de la zone réalisée. Courant restauré, audition sur nos coups. Dites-moi où sont les disrupteurs, Wait. Sur un dans le laboratoire d'analyse. Oh, là. Dans la salle de décontamination. Je suis la petite chienne, hein. Ok. Demande de vérification de maintenance dans le secteur C12 reçue et confirmée. Un gardien de service a été envoyé sur place. C'est pas bien ce que j'ai fait là. Ok. Je sais pas si ce que je fais c'est bien ou... Il y a des temps pour tout, ok. Très bien ça, c'est nouveau ça, c'est des nouvelles portes, très sympa. Oh putain, là ça y est.
Oh, la save, je t'ai vu. Ok. Il y avait une save derrière moi, non? Elle était devant moi, là. Ok. Bonsoir. Je vais me chier dessus ou pas? Ça va. Un classique, évidemment. Les lumières qui s'allument toutes seules. Bonsoir. C'est vraiment trop bien fait, hein. Même les effets et tout pour l'époque. Ok, on va rentrer là où il y a le sang. Ah putain, vraiment une sale journée, mon ref. Hein. Je suis avec toi, frérot. N'hésite pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité Zixon. Ouais, bah viens, tu me couvres s'il y a un alien, non, frérot? Ici. Oh non. On a juste tourné en rond. On a juste tourné en rond, putain. Ça, c'était pour partir. Bonsoir. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Aïe aïe aïe. Ça a été le meilleur. J'ai été la petite chienne. Ouais, je sais le chat. Je sais. Terrible. Ça doit être tellement dur le jeu en difficulté supérieure. Mais tellement. Bonsoir. Attends, peut-être un truc sympa là, non? Mot de passe. Ah, dur. Dur, mais avec un peu de chance, le mot de passe est peut-être là. Voilà. 2743. Je suis diabolique, Vegeta. Je sais pas ce que ça peut être, par contre. On est en normal. 2. Merci. C'est de la merde. C'est bien de la merde. Ok.
très très bien ça. Servira à faire le tour un jour. C'est terrible ce bug. Terrible ce bug du lance-lame. Save bibiche, je dis pas non, hein. Nickel. Alors ? Oh non. Oh putain, quand ça, faut attendre que la phrase s'affiche, c'est terrible. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça comme... Il est à droite, hein. Je suis mort. T'es un tricheur. T'es un putain de tricheur. T'es un cheater de ouf, gros. T'es un cheater de ouf, frère. C'est un tricheur, le ref. Attends, c'est où que je pop, là? Je vais rage-quitte. Non. Oh non, c'est bon. Moi, c'est chiant quand même, mais ça va. Attends. Okay. C'est terrible, hein. Casse-couille cette alien. Ah ouais. Le jeu, il serait beaucoup mieux sans l'alien.
quoi déjà 2, 7, 3, 4, c'est ça. Ah, t'abuses, je l'ai, le monde passe, frérot. Ça pour qu'ils me disent ah tu en as beaucoup trop et toi à quoi tu joues, voilà évident. On va tout prendre. Ok. On va enchaîner, hein. On connaît, hein. Impression qu'il est beaucoup plus résistant maintenant. Impression qu'il a acquis des compétences particulières au cours de ces 8 dernières années. Et qui prédit tous mes gestes. Presque l'impression qu'il n'est pas humain. Hop, ça s'est cassé. Tu sais que tu peux utiliser le lance-flamme sur la hyène ? Sans déconner, mon ref. T'es tellement adorable. Il est tellement mignon. Mettez-lui des petits cœurs un peu. Ça part d'une bonne intention, les gars. Et il y a un cœur, bordel. Ok. À swinguer là. Mais je veux dire pour le faire fuir. Oh, il est mignon. Mettez un autre cœur encore, les gars, s'il vous plaît. Il est beaucoup trop adorable. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Ouais, bah attends. Dans la vision d'ensemble, faudrait que tu fermes ta gueule parce que là, j'ai des problèmes, ok? Ah, toujours le même problème ici. Nickel. Mais non, ça clash pas les refs. On est juste à l'épisode 13 en fait. Je sais, pour l'intelligence artificielle, apparemment, plus on se cache, plus l'alien... Plus on se cache dans des casiers, plus l'alien va fouiller des casiers, en fait. C'est une intelligence artificielle qui s'adapte vraiment aux joueurs, il paraît. Ouais. J'ai cru comprendre ça. Save, c'est où? Ah, MDR, y'en a pas un seul ici. Ça, c'est bon, ça. Bon. Le même casier, oui, mais parce que tout à l'heure, il m'avait cramé, ce petit bâtard d'alien. Mais là, je me laisserai pas faire, ok? Je suis beaucoup trop chaud. On est mort.
je commence à avoir le trou de balle qui se feinte. Une petite save, monsieur. Ça serait pas trop. Nickel. C'est vrai que se cacher sous un écrou, peut-être pas le meilleur des mots. Ok. On s'en sort de type modérément. On va juste très vite aller save. Hein. On va juste très vite aller save et mettre la fin à cet épisode! C'était tendu, j'ai recommencé 2-3 fois hein, au moins. Oh là là! C'était sûr. Ben oui, c'était sûr, vous me connaissez si bien maintenant. Allez, on va mettre fin à cet épisode, les amis! Oui, bah oui. Bah, bien sûr. Eh, toujours plus celui-ci, toujours plus. N'oubliez pas YouTube, le petit j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir et on se retrouve pour l'épisode 14 et 15 mardi prochain sur Twitch comme d'habitude, donc soyez là, venez évidemment, venez, plus vous êtes nombreux, plus on est de fous et plus on rit, tu connais la musique. Bisous YouTube, ciao ciao.